Martin Moïse, encore une fois, frappé oligarchio. Dans quatre participations dans le crâne Montana Forum, yon activité qui fait en Suisse, à Genève, ancienne première dame, nan, ex-première dame, nan, Martin Moïse, li frappé men en tête oligarchio encore. Et dans l'émission ça, m'bral fort vive intervention Martin Moïse. Parce que pas oublier, bataille qui t'a mené, Côte Jovenel là, nèg qui t'a goumé Côte Jovenel yo. Yo chaque yo te gen embrèchement yo et m'bral fort wè. Que ce soit nan niveau politique, que ce soit nan mode musical là, l'autre des artistes t'a fait manifestation Côte Jovenel Moïse. Gardez pour wè artiste ou t'es prêt initiative ça yo, gardez souche yo. Gade embrèchement yo avec conseil de nèg nan oligarchie a pouwe. Et wap comprenne. Raison qui fait nèg sa yo, bien artiste sa yo, leader politique sa yo tap mené bataille kote Jovenel la. Wap comprenne. Que ce soit Don Kato, c'est parce que Jovenel te coupé contre courant Dimitri. Et pas ça. Et mbal fwa wè plusieurs autres images de la sorte, mesdames, messieurs. Pour m'fwa comprenne. Y a jamais eu de bataille loyale. Bataille qui t'a mené au tête de Côte Jovenel là, et pas tout bataille loyalité, c'est pas tout bataille en faveur Haïti vrai, c'est parce que oligarchie nèg sa yo en pile nan yo te koutra yo coupé et yo même yo pas capable camper en face parce que moun sa pas fait manifestation, faut que yo te gen des cobayes pour te voyer et c'est ça que faut te ouais, un paquet ti esclave mental, ti esclave domestique qui t'a fait manifestation toute journée. Et m'bral bon pile raison là mesdames messieurs, restez connectés ensemble avec nous, n'a vinn parler causer. Moïse Jean-Charles a annoncé les hostilités, monsieur a annoncé gros manifestation pour 18 novembre qui vinn là, là où il a pral tête en bas, là où il a c'est pral bagay tête chargée. Selon Moïse Jean-Charles qui expliquait on parcours qui côté la sorti nazon passé Delma, traversé plusieurs autres côtés, al tomber devant bureau Binu. Bagay yo pral en pile, n'ap suiv pou noue. Est-ce que manifestation m'sou a fait recette comme de façon coutumière? M'sou a toujours fait recette. On attend, n'ap gade pou noue. Est-ce que m'sou la privé atteint avec objectif li? Coup de balle continue à péter dans Kafoufeuille, Savane Pistache, Martissant, Fontamara, pour ne citer ça ou seulement. En pile soldat bwè de l'eau bouchou, dans l'hôpital Carrefour. L'hôpital Carrefour mercredi soir qui était 16 novembre là, l'hôpital Carrefour pas de kakibe moun tellement gen soldat te prend balle. Mais ou pas j'aime tande yo arrêté une raison simple parce que moun kal prend soin dans l'hôpital Carrefour c'est soldat Chris là et nous tout nous connaît Carrefour sous direction qui est lié. Et ça m'a dit si la police qui travaille là fait tout bon vrai. Imaginez depuis on moun blessé par balle, selon principe, yon oblige rele la police vin gade sa k passe. Eh mais pour qui ça la police pas arrêté plusieurs nèg? L'hôpital Carrefour pas de kakebe moun non? Mercredi soir, mercredi 16 novembre, l'hôpital nan Carrefour pas de kakebe moun mwen di ou. Tellement gen moun ki blessé par balle, majorité nan yon se bandi. A quelques exceptions près, wap jwenn quelques membres de la population civile là, des innocents qui victimes de balles perdues, ça ne décarrelé balles marron, mais en pile nan yo c'était bandi. Majorité moun qui était rentré l'hôpital mercredi soir ça, et tout ces bandi yo té. Pour qui ça la police dans Carrefour pas faire intervention? Mais raison c'est parce que ces soldats Chris là qui prend balle, et qui est-ce qui dans Carrefour, qui est-ce qui la police Carrefour? Oh, il y a un cause de nombreux bouches tendées. Restez connectés ensemble avec nous. Vous connaissez Chanel là déjà, pas vrai? Vous habituez avec le plus passé même. Et puis, les amis qui sont avec vous, vous connaissez déjà, nous habituons ensemble. Et Zas, vous aimez, nous faisons là chaque jour ensemble avec vous. Restez connectés ensemble avec nous, pas déplacés, nous retournons dans un badge. Martin Moïse continue à faire un plaidoyer. Un peu partout, le passé, toujours à expliquer. Le rêve qu'avait Jovenel Moïse, la volonté qu'avait Jovenel Moïse, ce que voulait faire Jovenel Moïse, Martin Moïse, pas jamais suspendre, expliquer à clair.
Mais tout rêve Jovenel Moïse te gagné et probablement mais pour qui ça y arrivé assassiner Jovenel Moïse. Dans quatre participation dans Cran Montana Forum ancienne première dame république la Martine Moïse, li pat met de l'eau dans bouche li. Pour te parler avec oligarchie haïtienne nan. On ban ti malandré, on ban ti mal pour on qui était là en Haïti ou bien qui toujours là, qui te dit à bataille en faveur pays, mais nous tout nous ouais. Objectif bataille nèg sa yo c'était pour déstabiliser Haïti et je dis là vraiment ben qui côté nous yé mal faute de Martine Moïse Marie Martine Moïse ancienne première dame qui pral expliquer qui prend la parole qui exprimer le devant un public et qui profiter montrer regret chagrin li par rapport avec drame ça qui t'est passé que aucun haïtien pas prêt pour oublier. En suivant ensemble, intervention Martine Moïse. Représentant désigné lors d'élections au suffrage universel. Dans cette première partie du 21e siècle, la démocratie est menacée par ceux qui refusent d'accepter les résultats d'élections s'ils ne sont pas les gagnants. Les oligarques peuvent être corrompus, mettre de l'instabilité politique pour protéger leur monopole. Les accords de sécurité et de faire compagnie privée de sécurité échappent au contrôle des États. Les officiels de puissants gouvernements étrangers venant créer des dynasties riches. Jovenel Moïse a gagné les élections présidentielles d'Haïti de 2015-2016. Ceux qui refusent d'accepter les résultats s'ils ne sont pas gagnants ont réussi avec violence et complicité internationale à faire annuler les résultats. Ils ont ensuite installé un des leurs, le fait provisoire, espérant obtenir des résultats différents. Ces négationnistes ont organisé de nouvelles élections en 2016 et 2017 avec leur propre président de conseil électoral. Encore une fois, le peuple a voté Jovenel Moïse. À cause de cette pression populaire, est capable d'annuler encore une fois les résultats des élections, ce n'est pas qu'ils n'ont pas dit. Ces négationnistes ont dû laisser Jovenel quitter serment le 7 février 2017 comme 58e président constitutionnel d'Haïti pour un mandat de 5 ans. Ce prendrait fin le 7 février 2022. Malgré tout, ces mêmes éléments ont refusé d'accepter les résultats des élections. Ont promis de mettre le pays à feu et à sang. En 4 ans et demi, le président a dû faire face à 8 tentatives de coup d'État, des blocages institutionnels de toutes sortes. En 2019, avec l'aide des gangs, ils ont attaqué le Sénat de la République pour empêcher le vote et la ratification du gouvernement et la loi électorale sous l'œil passif des Nations Unies créées pour supporter la démocratie. Plusieurs autres attaques similaires avec l'aide des gangs contre les institutions démocratiques se sont tenues. La justice et la police ont été attaquées. Toutes les institutions représentant le fondement de l'État démocratique subissent la violence des gangs conduit par un secteur politique avec une complicité internationale dont les intérêts économiques étaient menacés. À la base de ces attaques contre la démocratie et le gouvernement constitutionnel se trouvent des réformes économiques entamées par l'administration de Jovenel Moïse. Depuis 35 ans, l'État a été capturé par les oligarques corrompus d'Haïti. Contrôle aussi le secteur bancaire et l'ensemble des monopoles commerciaux. Dans ce système établi, l'État et le peuple étaient systématiquement pillés. Les réformes entamées par le président Jovenel Moïse ont touché l'électricité, l'achat et la vente de produits pétroliers, le secteur bancaire, la construction des routes, des ponts et autres infrastructures, les contrats de l'administration publique, etc.
Le livre qui vient paraître sur Journal Moïse, le rémarque assassiné, donne une idée de ses réformes et des défis affrontés. Mais plus de 4 milliards de dollars américains de corruption ont été bloqués par le président Jovenel. Après une campagne menée adroitement par les firmes de relations publiques et le lobbying étrangère payé par les oligarques pour salir son caractère dans les deux couloirs internationaux et l'opinion publique, le président Jovenel Moïse a été assassiné en sa résidence le 7 juillet 2021 par des soldats colombiens qui se sont fait passer pour des agents de la CIA des États-Unis. Ce jour-là, j'ai reçu plusieurs balles et les assassins m'ont laissé pour mordre. C'est un miracle du grand architecte que je sois vivante aujourd'hui. Suite à leur campagne d'assassinat de caractère, les oligarques s'attendaient à ce que le peuple célèbre l'exécution du président. Ils ont eu la surprise de leur vie. C'est notre peuple qui, comprenant les enjeux de ces réformes, a pris l'herbe le 7 juillet 2021 et a capturé les soldats colombiens. Ce jour-là, il s'était également mis à la recherche des oligarques qui ont commandité ce crime. Entre-temps, les gangs continuent à proliférer, à conquérir notre territoire, terrorisant la population. L'insécurité est généralisée. La hausse des prix du carburant et également sa rentrée paralyse toute la vie nationale. La flambée des prix de première nécessité entraîne l'insécurité alimentaire, vole à famille. Ce tableau sombre fait présager de grandes menaces pour la santé globale de la population. 16 mois après, malgré la propagande post-opérationnelle pour brouiller les pistes sur les origines de l'assassinat, le peuple est resté déterminé dans sa quête de justice. Ce crime a provoqué un pourrissement total de l'environnement économique, social et politique. 16 mois après, plusieurs questions méritent d'être élucidées. Quel secteur corrompu a utilisé l'accord de sécurité signé le 17 octobre 1997 entre le président haïtien Winny Préval et la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright pour infiltrer la police haïtienne, utilisant la dénomination d'IE et assassiner le 58e président constitutionnel d'Haïti? Pourquoi, malgré deux enquêtes officielles de l'État d'Haïti, le 19 juillet et le 3 août 2021, ce refus jusqu'à présent systématique du secrétariat général des Nations Unies de nommer un tribunal spécial pour enquêter sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, comme ce fut le cas pour l'assassinat du premier ministre du Liban, Rafik Hariri? Est-ce du racisme systémique qui bloque cette décision? D'ailleurs, la lettre du département d'État au Congrès des États-Unis démontre les difficultés de la justice haïtienne à mener cette enquête à bon port. Au nom de la justice, de la stabilité politique et de l'avenir de la démocratie en Haïti, le Conseil de sécurité devrait agir et nommer ce tribunal pour enquêter sur l'assassinat. Pourquoi les oligarques corrompus d'Haïti, maîtres des gangs de la violence politique, commanditaires de l'assassinat du président, sont-ils protégés? Pourquoi ne sont-ils pas les principales cibles de sanctions de la résolution 2653? Est-ce du racisme systémique? Pourquoi cet empressement vers une intervention militaire étrangère que le peuple haïtien rejette vaillamment? Pourquoi ce refus de renforcer la police et l'armée d'Haïti depuis 6 ans?
alors que la communauté internationale avait aidé à la construction d'une armée au Kosovo. Pourquoi pas Haïti? Est-ce encore du racisme systémique? Bakoun so wè. Bakoun so tap tande avec attention. Martin dit en pile causé. Et m'senti li tacle les États-Unis, li tacle Nations Unies également en pile causé parler là. Pour ça certainement depuis le Jovenel Moïse assassiné, Jean l'assassiné, le Congrès américain li passé l'ordre, faut justice rendue. Faut gen rapport d'enquête qui publié jusqu'à date rien pas je me dis pour qui ça on nous cache quelque chose et c'est ce qui nous pousse à croire vraiment que l'assassinat de Jovenel Moïse a été commandité. Mais Martin il a une responsabilité à sous dos des Colombiens. Oui Colombiens yo ka gen ou la joué. Yo ka gen participation yo vrai nan assassinat Jovenel Moïse. Mais m pa vle nou ale nan ligne ça, comme si pou nou rete quoi? C'est Colombien. Colombien ka te la tout. Mais écoutez, assassinat Jovenel Moïse, c'est une chaîne. Et cette chaîne là internationale là la donne. Chargé haïtien tant que policier ça par exemple qui pa tire yon pétard responsable de la police chef CSPN à cette époque nèg qui était ministre de l'intérieur à cette époque nèg qui était ministre défense tout moun sa yo yo ki parole pou yo di et pendant n'a parlé là mais mené toute façon là pour yo libérer colombien yo. Malwe ka nou. Colombien pa longtemps libéré là non. Ou ap gitan konnen. Gou décision justice qui pral prendre là. Nan jou k'ap vinn là yo. Et ou pral wè sa mam djou là. Mais m'pense faut gè discours sa yo à répétition. Manke discours sa yo. Et là m'di manke discours sa yo, c'est pas journaliste yo k'pa parle l. Journaliste qui engagé comme si qui ouais bataille qui t'a mené qui ouais jodi là doit gagner un engagement réel qui prend pour nous faire tant de voix nous pour que la continuité des œuvres de Jovenel Moïse ou encore ça t'a prôné ou pour t'a continuer. Mais des monde qui des acteurs directs qui ont manqué impliqué yo par exemple des interventions pareilles Martin Moïse t'a de faire de très souvent côté la tacler Nations Unies. Pour qui ça, pas jamais gagné un tribunal international spécial qui désigné pour traiter dossier Jovenel Moïse là. Pour qui ça, pas jamais fait. Oh, yo tout y a dit la justice en Haïti, c'est que dalle, c'est son simple rien lié. Mais si nous ouais ça, et nous tout n'a dit n'ta remis président jeune justice, comment le jeune ni là? Comment justice après le bail là? Pas avec justice nous y là en Haïti. Nous fait déjà pour plusieurs autres pays. Pour qui ça, le pas qu'a fait pour Haïti? Pour nous désigner, moun même, désigner des tribunaux spéciaux pour capable traiter cas ça, parce que le dépasser nous en Haïti. Mais non, parce que tellement de gros babines, tellement gros c'est de gros ambassades qui impliquent dans l'assassinat ça, et ça fait pas j'aime mon tribunal international. Pas j'aime mon tribunal international qui saisit le dossier. Et pas j'aime aller dans le bon sens avec lui. Pour ou pas m'en déjà dire là, pour qui ça FBI. Département d'État pour ça classer un série de dossiers dans un série de dossiers OK dans cadre d'enquête ça pour ça classer au top secret pour pas quelques dossiers là dans enquête ça dans rapport d'enquête ça yo classer au top secret pas monde qui a accès avec nous ou qui te comprendre et moi même en vérité n'a pris voler n'a connu vérité à et tout monde qui était impliqué d'une façon ou d'une autre faut qu'il réponde et il a répondre. Parce que t'es chargé de tinèg noue ici en Haïti dans Koubloa. Même gens y avait des étrangers, mais tout en Haïti t'es chargé de tinèg. Donc, nèg qui t'a mené bataille contre Jovenel, si yon pas voué Jovenel allé yap mourir. Donc, Don Kato par exemple. Don Kato, c'est parce que Jovenel Moïse t'es coupé
contre Dimitri Vob. Ou là, parce que Dimitri Vob, c'est pas tout Don Gato. Même Jean, l'opre isolant, qui a fait manifestation, qui a fait rara, fait ma 4 mètres carnaval dehors contre Jovenel Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, partout, on sait qui est. C'est Boulos, c'est autre. Ou est la photo yo? Pas d'accord avec une bataille, ça, non? Bataille ou est tap mine contre Jovenel, la tap toujours gagne. Parce que tellement il y a qui te sont si intérêts ou menacés, faut que tu te la gagne une série de chiens vraiment dans de Jovenel Moïse. Ça que m'a demandé qui le n'a pas gagné un pays côté haïtien ap conscient haïtien ap comprendre même dit je dis là Luis Abinadel qui c'est un sirop libanais parce que monsieur pas pur dominicain monsieur rentré là en République dominicaine pour jamais soit traité dominicain là pour jamais soit gérer pays tout monde a besoin seul bagage c'est sous Luis Abinadel la vie à cher comme ça en République dominicaine t'as veut dire sirop libanais on va gagner série à porter nous même en Haïti qui le n'a pas comprendre vraiment si ou libanais ou pas rien sérieux à faire pour payer c'est craser à craser c'est au tout gros contrat contrat asphalte contrat courant tout gros contrat c'est au même qui gagne dans mais et on pas permettre à ce que aucun monde tinèg noue émerger pas un grain monde pas un tinèg noue cap ca émerger là nous s'il pas mettre zam sou yo et si tinèg noue ça li pas fourer l'en bas yo li pas jamais cap passer nous. Quand on est avec Ronnie Célestin jodi là, Ronnie Célestin prend un vol li. Ronnie Célestin, ouais, monsieur Chapé, mais monsieur t'es rentré en bas au sein de oligarque. Et jusqu'à date, monsieur au service de yo. Et puis ouais, monsieur, li rive nan niveau rive là. Mais faut nous réfléchir pour nous comprendre côté tout le monde gagne même chance. Vous comprenez ça? Tout le monde gagne même chance de réussite. Nos droits ne sont pas les mêmes, j'accepte. Mais, pas qu'à un groupe de mon petit groupe. Et d'ailleurs, minorité, oui, c'est eux-mêmes qui ont tout privilège pays à nos mains. Tout privilège pays à nos gain. Et la majorité a même la coupe, la crevée de feu. Et non, situation de sécurité sans précédent. Mantissant, Carrefour-feuille, Savane Pistache. C'est l'enfer le représenté Kounia là. Même Jacques Anna en jodi là. Pas aucun côté là ou ka di ki sef. Mercredi 16 novembre là, gros bataille éclaté encore dans Martissant. En pile moun mouri, en pile moun prend balle. Ou ap gade photo sur réseau, ou ap gade une série de vidéos côté ap montre ou rache pied, rache ponyet, rache tête nèg exposé à terre. Ay ba cannibal net oui. On bataille déclenché, pièce moun bakoun pou ki. Pièce moun bakoun pou ki bataille sa déclenché. Non, juste pour faire plaisir avec oligarchie. Juste pour faire plaisir avec conseil de hommes politiques sans vergogne, sans cervelle. Juste pour faire plaisir avec yo, nous mettons pays à feu et à sang. Tenez bien. Eh, monsieur là, m'am gade ta mantisan. Ou bon, m'am fowe kek ti image de mantisan. M'ap gade ta martisan, martisan konnen. Wap gade un série de kay. Pye bwa pousse la dan yo. Martisan ki autrefois était une attraction. Habitation l'éclair, hôtel sa côté Bill Clinton. Te vin faire lune de miel li en Haïti après mariage li. Espace sa ou tombe en ruine. C'est coup de balle qui a frappé là-dedans toute journée. C'est dur pour garder Martissant. Dans qui est Martissant tourné aujourd'hui là. Et n'a pas comprendre. C'est propre zone y a crasé, y a détruit. Y a détruit propre zone et on va le petit yo pral grandir. Comment petit yo pral grandir là dans carcasse ça yo là comment petit yo pral grandir? Qui a venir pour petit yo? N'a pas réfléchi à ça du tout. N'a pas pensé du tout à ça, non? N'a remè nous arranger nous en façon, mesdames, messieurs, pour que nous. Bah, connaissez ce que Paye a fait. Parce que, je dis là, bandit avec l'État à fond seul. Bandit a pu utiliser Charles l'État. L'État a utilisé Zambandi. Tout yon fond seul.
L'entendez, nèg y'a dit ou, y'a bataille contre le banditisme. La police a dit ou, la bataille contre le banditisme. En principe, depuis que un moun qui prend balle l'hôpital, quel que soit moun ni, pour n'importe raison, faut que l'hôpital la relè la police. Pour la police vini, vin mener enquête. Vin questionner moun sa prend balle là pour connait dans qui condition le prend balle là. S'ils sont bandits pour tout arrêter, tout mener hôtel dans espace l'hôpital là avec Léa. Kounya là. Mercredi 16 novembre, tellement gay bandi qui prend balle. Nous avons plusieurs hôpitaux dans le Carrefour, l'hôpital ça saturé. Pas même qu'à prendre mon encore. Majorité dans les bandits. 95% dans les gens sont bandits. Mais pour qui ça, pas une intervention policière dans l'hôpital ça yo, pour aller fournir, garder, pour aller chercher qu'on est, les gens qui prennent balle dans qui condition yo prennent. Et ces bandits qui n'ont pas de coup de zam, c'est nèg soldat Christ là qui a pas de coup de zam avec nèg ti la pli nèg izo. Yo victime. Et yon courir al prendre sur l'hôpital. Mais comme nan Carrefour jodi an la li yon fou seul avec bandi yo, policier Carrefour fou seul avec bandi yo, ça vin fè pa ka gon enquête. Ou quoi comprenne? Pa ka gon enquête. La police pa ka débarqué dans l'hôpital yo, même si la police ta débarqué. D'ailleurs, pile nan nèg sa ou pren balan pile nan yo, c'est policier. Ou ap gete ou konnen. Gan pile nan yo policier yo Efrem. Yap travail sous l'autre bandi. Mais en réalité, Haïti, maintenant, ça ouye chaque jour. Et ça fait le nap mande solution. Le nap réfléchi, nap mande, est-ce que, qu'est-ce que solution à sa mine là? Est-ce que le pas un rêve? Et un rêve qui pas chame réalité. Même si m'toujou ap goum avec un pile moun, le moun ap dit, ah, pas y'a espoir, m'toujou dit, y'a espoir quelque part. Yon moun kap chèche piègem, et bien yon 15 ras, ou di gèspwa moutre nou kote liye, mba wèl tout nou, mè m'kone la. Parce que ma plute, yon gou pa ket moun sou rezo a ka plute, gen Bousta, gen Berto, gen Ber, gou pa ket moun ka plute, na plute. Mais le fait que na plute, donc c'est ça qui pousse nou à quoi, y a espoir. Parce que y a le faible reste, et c'est faible reste ça même kap bataille. Qui fait diaspora yo pa la ge bay yo toujours été quoi ne serait-ce que sense espoir li piti mais li là parce que diaspora te ka perdu espoir déjà oui ou pas comprendre non regardez ou pas comprendre bataille ou bien importance ça ou ka fait là l'homme prend micro le Infoberto prend micro le Alberto Cho prend micro le Bousta John prend micro et tout l'autre yo l'un prend micro n'a bay parole là ou pas qui est fait le faire sous diaspora qui représente jodi an là un gros bourade pour pays a yo te ka perdu espoir déjà ngon gen moun ki dit mais chaque fois m'tande ou son sérum gen moun ki dit chaque fois m'tande ou son sérum ou porter pour moi chaque fois m'ta dwe décourager nik tande ou seulement m'ou reprenne force. Il y a espoir. Et c'est dans l'espoir ça m'a invité pour continuer quoi. Continuer quoi dans l'espoir. Mais faut travailler. Parce que ces sept yo, yo te travaille et yo te bataille, yo te fait les deux. Et si nous voulons réussir, faut que nous atteler nous. Faut que nous rentrer dans bataille là. Faut que nous mettre main nous dans pat là, faut nous mettre main dans moulin pour nous retirer Haïti dans bourbier ça. Pour nous retirer Haïti dans labyrinthe ça. Et faut le sortir, oui. Faut le sortir. Parce que s'il pas sorti, qui a venu au Timoun yo? Timoun 5-10 ans, je dis là, qui a venu yo? Avenir, c'est Zami ou Elvote, oui. Si nous pas continuer la bataille pour nous jouer une réussite, pour nous jouer l'autre Haïti, nous prenons l'autre Haïti, nous tout nous souhaitons. Si nous pas continuer à mener la bataille là, Timoun sa yo, y a sans issue, sans avenir, sans espoir. Et ça fait depuis de tout. Je suppose un pile dans journaliste même ensemble avec moi un pile dans youtubeur moun ki a on dit a fait travail ça yo kon vend découragement kon frappé yo on suppose yo kon rive nou dimension côté que yo senti vraiment yo découragé mais yo vinn faire quand même parce que yo gen une mission fann pa lagé bay parce que si nous lagé bay c'est fini gros paquet moun k'ap vive à partir de nous
Il y a pile monde qui espère à partir de nous. Et ça qui fait nous pas gain droit pour nous bailler vague. M'a continuer frapper, n'a pas continuer frapper, n'a pas continuer kembe flambeau. Juste pour nous capable continuer éclairer chemin pour nous garder côté n'a mettre pied nous. Bye bye tout le monde. M'de compte à vous. M'de compte à partager mon sou la parole ensemble avec vous. J'aime toujours faire ça, et pas vrai? Eh bien, ou même qui à peine rejoint nous, si c'est la première fois que tu as une chance de tomber sur nous, moi invite à activer la cloche de notification. Ça veut dire pour abonner, et c'est le seul moyen qui permet de toujours être connecté pour ne pas rater aucune émission ou aucune vidéo. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. N'ap croisé un peu plus tard pour une autre vidéo.